Bon allez, je suis parti pour la randonnée du Mont Pelé. Apparemment, elle n'est pas facile. Ils disent 3h30, mais ils disent de bien compter quand même 5 à 6 heures. C'est 8,5 km, je crois, mais apparemment, c'est plus compliqué que ça. Ça ressemblerait même à de l'escalade. Donc allez, c'est parti. On commence la randonnée. On va voir dans quel état je serai à la fin. C'est tout brumeux, tout gris. J'espère que ça va se dégager, parce que sinon, il n'y aura pas de vue. Tu vois déjà le sentier comment il est. Mais c'est sympa, c'est original. On va voir si ce sera sympa tout du long. Je pense que je vais me casser la gueule 2-3 fois. Bon, j'ai pas des super baskets de randonnée. Donc, parce que ça va donner, c'est un petit peu humide. Au moins, c'est pas trop chaud pour le moment. Je suis quand même levé à 5h du mat pour arriver ici à 7h. 1h30 de route. 5 minutes que j'ai commencé. C'est déjà périlleux. On va économiser des forces, je crois. Ça serait peut-être mieux. Oh, je confirme. La rando est pas drôle. Je viens de passer une phase d'escalade. Je pense que c'est la première, mais ça sera loin d'être la dernière. Voilà, c'est pour vous dire au point. Je peux pas vous filmer en fait vraiment quand j'escalade vraiment un pic. Mais vous voyez ça là? Là t'es content quand tu vois ça. Voilà, vous voyez. Enfin vous voyez pas. On ne distingue rien. Vraiment. D'avoir atteint mon rythme de croisière. C'est dur, mais tant que t'avances, ça va. Là, on n'a pas des énormes dénivelés comme on a pu avoir. Donc, le rythme se tient bien. Ce que je fous là. Parce qu'apparemment, le deuxième refuge c'est là-bas. Mais ça veut dire que j'ai déjà passé le premier refuge. Je suis venu de là. Et là, ils disent que si je vais là-bas, je vais au chinois. Là. Finalement, on s'en va vers le deuxième refuge. On va faire la boucle entière et on fera le chinois à la fin si on a assez d'énergie. Putain, là par contre, c'est beau. Dommage que ce soit pas dégagé. Bon, ouais. Donc, moi, je viens de là. Là, je suis au deuxième refuge. Faudrait pas que je parte là quoi, faudrait que je fasse le tour, la boucle de la caldeira. Je reviens ici peut-être au chinois, et qu'après je reboucle là et que je redescende. Et là c'est marqué caldeira, je pense que je me trompe pas. Let's go. Je pense que le plus dur c'était vraiment le début avec toute l'escalade, parce que là ça redescend un peu, enfin c'est assez plat. Là, en fait c'est vraiment le début. Qui est rude. Putain, c'est beau, t'as l'impression d'être... Oh, si on voit là. Regardez-moi ça, la fumée, brume, nuage, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a quand même une ambiance. Il y a quelque chose. Thank you.
une séquence d'escalade pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond un peu. Et oh, quoique, pas très très long là. C'est dégagé. Et on va vraiment là-haut là. Les classes à grimper. Dur, dur là. Ah. Ça souffle hein, au sommet. Et on n'est pas trop loin hein, finalement. Quand on voit, je ne pensais pas qu'on montrait si haut. C'est cool. Attends. T'as vu la végétation un peu là? C'est quand même dingue. Du bien, tiens. Bon, je dois en être à... Là, je vais arriver en fait au sentier qui descend au chinois là. Alors, c'est pas un restaurant à volonté, hein, malheureusement. Donc, là, on va croiser le troisième refuge déjà. Et en fait, je pense qu'il faut descendre, remonter, puis après, tu finis la boucle et tu redescends tout ce que tu as monté. Je pense que, ouais, 3h, 3h30, ça va être bouclé. Et pourtant, j'ai pris mon temps. Hein. Je n'ai pas mangé. J'avais lu des avis qui disaient ouais. Parce que faut amener 3 litres d'eau. Alors moi j'ai pris une bouteille d'1,5 litre, mais toujours dans ses cadeaux. Elle me rajoute plus du poids que d'autres choses. De la semaine, et eh bien je travaille la journée. Alors là, j'ouvre pas trop parce que sinon il va faire trop chaud dès le matin, mais c'est quand même sympa. On a un petit vent, un beau soleil qui tape là dès le matin. Ça, c'est bien aussi. Comme ça, le soir, on est un peu plus au frais, ce qui est très bien. Et puis voilà, on s'avance un maximum. Et puis sur le soir, ça va aller faire un tour à la plage ou je sais pas quoi. Je vais voir. En tout cas, je pourrais travailler comme ça tous les jours. Ah, ça c'est sûr, c'est génial. Avec peut-être un meilleur wifi. Ouais, ce serait mieux.